Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre sa vie. Yes. Bon, tu me vois aujourd'hui avec un rouleau de peinture dans les mains. Voilà, en fait, je suis en train de faire de la peinture. C'est ce que j'ai envie de te dire, en fait, aujourd'hui, tout simplement. Je voulais te partager ce petit moment. Voilà, je me suis dit, tiens, je leur ferai bien une petite vidéo tandis que je suis en train de peindre, là, tu vois. Donc voilà, alors je vais pas te faire un tuto sur comment peindre, ok? C'était juste pour te dire que tout ce qui se passe en fait depuis début 2020, j'ai décidé de m'orienter sur Internet, au début en faisant des visioconférences pour mon activité de thérapeute et coach. Et puis petit à petit, j'ai eu envie, je me suis dit, tiens, je vais créer une formation, et puis je vais créer un site Internet, et puis je vais créer une chaîne YouTube, et puis je vais faire des vidéos, et je vais en faire une par jour. Tu vois? Et donc, on s'approche de la centième, là. C'est très, très. C'est imminent, c'est imminent. Voilà, peut-être demain ou après-demain, il faudra que je regarde. Mais on s'en approche vraiment. Et donc, voilà, c'était pour te dire qu'en fait, déjà, merci infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn. Telegram, ça rame un peu, ok? J'ai un petit peu de mal aussi à gérer ce réseau social. Je sais pas trop comment communiquer, me faire connaître dessus. Je prends pas le temps, je t'avoue aussi, de creuser à ce sujet-là. Si tu as des conseils d'ailleurs, je suis preneur, mets-moi dans les commentaires. Si tu as des conseils sur Telegram, sur comment se faire connaître, voilà, comment trouver des groupes, aussi d'autres groupes pour pouvoir partager chez eux, etc. Voilà, je suis preneur de l'information. Merci infiniment, je prends pas le temps de faire des recherches, donc si tu en as des infos, moi je prends, merci. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que bien tout ce changement, tout ça apporte beaucoup de changements dans ma vie. Qui plus est, avec les interviews des artisans du bonheur, c'est assez conséquent puisque c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre, si je puis dire. Déjà que j'en avais pas beaucoup, mais du coup, faut que je réorganise mon agenda pour avoir du temps libre en plus. Donc, c'est une sacrée gestion. Mais c'est un vrai plaisir de continuer à faire ce genre de choses, des interviews, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre. J'ai l'impression que ça plaît vraiment pas mal. Et ça, c'est top. Mercredi, je t'ai publié l'interview de Nicolas pour Voyage au Cœur, fondateur de Voyage au Cœur. C'est génial. Voilà, je t'invite à regarder aussi cette interview si tu l'as pas déjà vue, comme toutes les autres d'ailleurs. Tu as la playlist sur ma chaîne. Tu vas dans la playlist Artisan du Bonheur. Et voilà, tu as toutes les interviews qui sont là. Et c'est tout simplement génial. Voilà, tu peux aussi faire un don si tu veux soutenir les interviews des artisans du bonheur, si tu veux apporter ton soutien financier à cette démarche. Eh bien, il y a dans toutes mes vidéos, y compris donc celle-ci, dans la description, il y a la possibilité de faire un don. Voilà, donc merci beaucoup pour ta générosité. Ce que je voulais dire aussi, c'est que forcément, donc tout ça amène beaucoup de changements. Moi qui ai l'habitude jusque-là de travailler, de me déplacer au domicile des gens ou de faire des visios, mais là il s'avère que j'ai besoin d'un vrai bureau, voilà, beaucoup plus posé que ce que j'avais là. Donc du coup, on a pris une décision avec ma femme et ma fille de revoir l'agencement de la maison. C'est pour ça en fait que tu me vois en pleine peinture, parce que je suis en train de refaire une pièce de la maison, de repeindre une pièce de la maison. Voilà, c'est là que je faisais mes vidéos quand j'étais dans la chambre de ma fille. C'est l'ancienne chambre de ma fille en fait ici. Quand tu voyais une vidéo avec un fond où est-ce qu'il y avait des petits dessins sur les murs, etc. Ben, en fait, c'est cette pièce-là. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus les petits dessins sur les murs. On voit quelques traces, mais bon, bref, je vais pas te faire voir tout ça. Mais toujours est-il, donc on est en train de tout faire, de déplacer d'une pièce à l'autre. Voilà. On modifie tout dans la maison pour créer un espace qui deviendra mon bureau, justement pour pouvoir développer plus encore mon activité comme ça sur Internet. En parlant d'activité sur Internet, il y a aussi, c'est vraiment imminent, je suis en train de peaufiner comme ça la mise en forme de la mise en page de la formation. Il faut encore que je fasse la page de vente, ce qu'on appelle. Et puis encore, j'ai besoin d'images. Bref, je suis à la recherche encore de diverses choses pour faire une jolie mise en page. Mais la formation pour apprendre à croire en soi dans des premiers pas, voilà, de façon simple et voilà, avec les quelques premiers pas pour déjà démarrer, tu vois, ok, prendre plus confiance en soi suffisamment, en tout cas, avant de se lancer dans un gros programme comme celui que j'ai déjà mis en ligne. Et bien, cette formation, elle est bientôt prête.
Voilà. Comme je t'ai dit, j'ai encore des petits détails à peaufiner pour faire ça tout joli, tout propre. Mais voilà. Et elle sera donc au prix de 27 euros. J'ai fait en sorte que ce soit un petit truc pas trop cher, voilà, qui puisse t'apporter plein de clés déjà. Parce que je me rends compte qu'elle est quand même vachement balèze déjà comme formation, mais bon, je veux pas te faire flipper. Elle est déjà quand même pas mal du tout. Je l'ai axée sur le développement de son intuition, puisque je pense que c'est un bon point de départ justement de travailler sur l'intuition pour pouvoir apprendre à croire en soi, se faire confiance et commencer à s'ouvrir comme ça à soi-même et se donner les possibilités d'aller encore au-delà après. Voilà. Donc, ça va être une super formation à tout petit prix. Voilà. Donc, elle est en train, je suis en train de peaufiner les détails, mais bientôt, elle sera en ligne. Voilà. Donc, bah voilà. C'est une petite vidéo, histoire de partager plein de petites infos comme ça. Je sais même pas le titre que je vais lui donner, je t'avoue, parce que je te parle de tellement de trucs différents. Je vais peut-être l'appeler un coup de rouleau, un coup de peinture pour faire du neuf. Tiens, ce serait pas mal. Un petit coup de peinture pour faire du neuf. Voilà. Voilà, donc bientôt, tu le verras au fil des vidéos, ok? Je serai dans un nouvel espace où est-ce que je ferai des interviews avec un nouvel espace, un nouveau fond, enfin ce sera un nouvel espace, sera vraiment différent. Et puis aussi, pareil, pour les visioconférences, si tu fais partie de ces personnes qui suivent des accompagnements avec moi en visioconférence, eh bien tu verras, là aussi, il y a des choses qui vont changer en termes de décor, voilà, dans le cadre. Puis bah pareil pour les vidéos comme celle-ci, quoi. Voilà. Tout simplement. Bon, bah voilà, j'ai envie de te partager tout ça. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. Yes, ok? Allez, je t'invite à oser vivre ta vie, à prendre soin de toi pour de vrai, d'accord? Si tu veux te lancer dans un programme de ouf pour apprendre à croire en toi, c'est très simple, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour accéder au programme que j'ai créé spécialement pour toi, d'accord? Et il est suivi, d'accord? C'est-à-dire qu'un suivi personnalisé, on communique ensemble, on échange par mail, je suis avec toi, je t'accompagne. Si tu as des questions pendant ton travail ou que tu as une baisse de morale ou n'importe quoi, je suis là, ok? Tu peux m'écrire et je te réponds et je suis avec toi, ok? C'est pas juste un truc où est-ce que tu es en ligne et tu es tout seul avec ton ordinateur. Non, je suis là avec toi derrière ton écran. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse. À la prochaine. À demain, en fait, tout simplement. Allez, ciao, ciao, prends soin de toi.